On cherche à démontrer qu'il existe une unique solution alpha sur 0 plus l'infini, telle que f de x égale 2. Une unique solution, c'est forcément le théorème des valeurs intermédiaires. Ici, le plus dur, c'est de bien rédiger. Faites donc bien attention à la rédaction. La première condition du TVI, c'est que la fonction doit être continue, strictement monotone, sur l'intervalle qu'on considère. Ici, c'est le cas. F est bien continue, strictement décroissante, sur 0 plus l'infini. La deuxième condition, c'est que quel que soit x sur 0 plus l'infini, f de x doit être comprise dans un intervalle qui inclut 2. Ici, quel que soit x sur 0 plus l'infini, f de x est compris entre limite de f en 0 et limite de f en plus l'infini, c'est-à-dire f est compris aussi entre 0 plus l'infini, et 2 fait bien partie de cet intervalle image 0 plus l'infini. On peut donc conclure, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, comme 2 appartient à 0 plus l'infini, c'est-à-dire limite de f en 0, limite de f en plus l'infini, il existe un unique antécédent alpha qui appartient à 0 plus l'infini, tel que f de alpha égale 2. Et voilà, on a fini la partie analyse de fonction de cette annale. J'espère que ça s'est bien passé, et sinon, prenez le temps de vous replonger un petit peu dans les vidéos de méthode. Bon courage !